Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une belle modification moteur pour apporter à peu près 10 chevaux et 10 Nm de couple. Donc c'est une modification qui peut s'appliquer sur les blocs de série N, donc N51, N52, N53, et il me semble qu'il y en a d'autres. Donc en fait cette modification, ça se passe en dessous du cache culbuteur. C'est assez long, c'est assez fastidieux, il faut prendre votre temps, mais je vais vous expliquer ça. Pour ce faire, il vous faut ces petites pièces-là. Donc en fait ce sont des cales qui viennent pour le système de levée variable des soupapes. Donc ce sont les cales de butée qui sont modifiées et qui vous permettent de gagner 1 mm d'ouverture sur les soupapes d'admission et 3 degrés de timing d'ouverture sur les soupapes. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment procéder au démontage et à la mise en place des nouvelles cales. Donc voilà, ça se monte sur ces blocs-là. Donc comme je vous disais, N51, N52, N55, S55 et N20 engine qui correspond au 320i. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé de mon côté. Je vous passe le basique parce que vous trouverez de nombreux tutos pour faire la dépose du cache culbuteur. Je ne vais pas vous expliquer comment faire toute la dépose. Pour faire simple, vous avez le rail d'injection. On va déposer pour avoir l'accès tranquille ici. Vous avez votre faisceau du coup que vous pouvez décaler sur la gauche. Dépose des bobines d'allumage, du faisceau d'allumage, des connecteurs divers et variés, des deux câbles de masse que vous avez de chaque côté. Je vais également virer les guides en acier qui sont autour des puits de bougie. Et puis une fois que c'est fait, on va passer au valvetronic. Je vous explique ça tout de suite. Le valvetronic, c'est ce qui est ici, enfin le moteur du valvetronic. C'est ça qui fait office d'accélérateur sur ces blocs-là. Donc il y a un papillon de gaz évidemment, mais il est là qu'en secours. Il reste 100% ouvert quand vous roulez. Et en fait, vos gaz, votre accélérateur est géré uniquement par la course des soupapes d'admission qui est variable. C'est ce moteur-là qui actionne justement l'ouverture des soupapes plus ou moins importante. Donc il y a un système de ressort vachement balèze derrière, et ce qu'on va faire avant de le virer, c'est de le détendre ce ressort pour pas que ça saute violemment dedans. Donc pour ça, clé Allen de 4, et on va faire tourner gentiment le moteur jusqu'à ce qu'on sente que ce soit beaucoup plus facile. Vous allez aller dans un sens, ça va durcir, durcir, donc c'est pas le bon sens. Allez dans l'autre, et au moment où vous trouvez le juste équilibre, et que c'est pas trop dur, vous vous arrêtez là. Moi j'ai l'impression de pas être trop mal là. M'arrêter là et on voit parce que le comment dire il prend du jeu là, je sens qu'il est libre parce que il n'est pas en contrainte et du coup il peut bouger tout seul. Tant que vous êtes en contrainte avec le ressort, vous pourrez pas le bouger librement comme ça. Une fois que c'est fait, vous avez trois vis, il y en a une en dessous ici et deux ici, donc c'est des embouts assez spécifiques, c'est du torx femelle comme ça. Donc en TTT, non, E, pardon, excusez-moi, E8. Il veut pas faire le focus, mais voilà, E8. Bon, j'ai libéré les trois vis. Et alors, soit il va venir tout seul, soit vous faites marche arrière en dévissant la vis sans fin. Mais voilà, il vient en jouant un petit peu avec. Sinon, l'astuce, c'est que vous reprenez votre clé Allen et vous faites marche arrière, vous faites tourner le moteur pour que la vis sans fin vienne. Donc voilà, on a retiré maintenant le moteur de valvetronic. On a nos trois petites vis qui sont là. Et on va mettre gentiment ça de côté. C'est une pièce qui coûte cher, donc méfiez-vous. Mettez ça à l'abri, au sec, et là où vous risquez de pas de marcher dessus ou de taper dedans. Bon, maintenant que notre cache culbuteur est presque libre, on défait le reste des durites. Hop. Durite pour le système de reniflard qui est à l'arrière. Moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà déposé tout le faisceau, j'ai calé mon faisceau bien comme il faut pour pas qu'il me gêne. Et puis, du coup, on va pouvoir commencer à démonter toutes les vis qui sont tout autour. Donc, il y en a un bon paquet, des plus ou moins accessibles. Donc, on défait tout ça.
Toujours en torx femelle, mais cette fois-ci du E10. Donc voilà. Ça prend un certain temps. C'est pas ce qui est le plus évident à faire. Il faut jouer des rallonges et du cliquer un peu partout. Pas hésiter à faire de la place, surtout pour celle du fond là-bas. Voilà, moi j'ai décroché ce flexible-là là, pour avoir plus d'accès. Ouais, c'est pas hyper évident, mais on y arrive doucement. Le minimum, c'est d'avoir un cliquet intermédiaire. Une grande rallonge, une rallonge courte et la douille. Et franchement, rien qu'avec ça, on y arrive, mais il faut prendre son temps et puis il faut réfléchir un peu à savoir si on met ou pas la rallonge et comment on peut y arriver. Voilà, donc tous mes guides sont déposés et maintenant je vais pouvoir virer ce cache-culbuteur. Je le précise parce que j'avais oublié. Vous avez également en fait les supports pour les masses qui se retrouvent ici. Et là, qu'il faut défaire parce qu'ils servent de vis aussi pour fixer le cache-culbuteur. Et vous avez une dernière qui se trouve sous le moteur de Valvetronic ici. Voilà. Bon, ça a été un peu la bataille pour le sortir, je vous le cache pas. Parce que la partie justement Valvetronic est à mon très haut. Et vous avez à ce niveau-là donc les tubes pour le reniflard qui viennent et qui gênent au moment de la dépose et qui viennent taper sur les parties les plus hautes. Parce que le problème, c'est qu'on est gêné par la baie de pare-brise, on est gêné par le faisceau qu'on ne peut pas dégager entièrement. Du moins, sans tout débrancher, j'ai pas forcément envie. J'ai même dégagé le joint de pare-brise qui m'a fait gagner quelques millimètres pour le sortir. Bon, bref, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la suite. J'en profite très rapidement pour faire un petit contrôle visuel. Regarder qu'il n'y ait pas de point de faiblesse donc sur le guide de la chaîne, que la tension de la chaîne de distri est bonne et franchement pas de soucis. Bon, pas de truc anormal. J'ai pas d'huile brûlée ni rien dans le cache-cubu. Franchement, tout est propre. J'ai pas de grosses rayures sur les arbres à cames. Franchement, pour plus de 200 000 bornes et une utilisation de circuit franchement régulière sur sa fin, bah franchement, c'est prometteur. Local MILVS. On les retrouve ici. Donc, pour chaque cylindre, évidemment. Et nos remplaçantes qui sont ici. Donc, bon, on ne peut pas trop se tromper de sens. L'écriture est dans le bon sens pour commencer. Et en plus de ça, donc la partie très légèrement arrondie sur laquelle viennent se reposer les ressorts, donc c'est vers le haut. On va les comparer après coup. Je vais déjà vous montrer et puis apprendre en même temps comment on dépose ça. Il y a plusieurs techniques de montage. Soit on a un outil spécifique mais qui coûte 150 € et je l'ai pas. Soit on peut faire sauter les ressorts avec une ficelle en les faisant passer. Il y a une vidéo qui est sur YouTube qui explique une méthode alternative. Et moi j'en ai encore une autre. Donc c'est avec ces petites rondelles qu'on vient intercaler entre le ressort en fait et la vis. On va desserrer plutôt la vis de 5-6 tours, juste de quoi glisser la rondelle et la reposer, donc sans défaire complètement la vis, pour pas faire sauter le ressort. Et en fait, ça va juste lever le ressort sans, comment dire, le défaire et le faire sauter de ses emplacements. Et ça va nous permettre de gagner suffisamment de jeu simplement pour défaire l'ancienne cale. Poser la nouvelle et puis à nouveau redesserrer juste ce qu'il faut pour réenlever la rondelle et refaire le serrage. Je sais pas si vous me suivez, de toute façon on va faire ça ensemble. J'ai décollé ces deux vis là, mais je les ai resserrées vraiment juste histoire de replaquer la cale correctement. Et j'ai fait pour l'instant celle-ci de 2 tours. Ça va nous permettre de glisser la rondelle. Donc là, pour l'instant, elle passe pas encore en dessous. Donc je vais défaire encore. J'espère un tour suffira pour glisser la rondelle. Voilà. J'ai pu mettre la rondelle en place. Maintenant, on va resserrer ici, juste pour plaquer. Et on va tenter de desserrer ces deux-là pour chasser après la cale. On va voir si cela suffit. Bon, clairement, ça bouge, mais c'est pas suffisant. Donc, marche arrière. Bon, il m'avait mis 2 rondelles. J'ai mis cette fois-ci la plus épaisse. Donc on voit bien là en dessous comment c'est levé. Vous voyez la rondelle, je vais essayer de vous montrer avec mon tournevis. Elle est juste ici, là. Quand vous comparez par rapport à un autre cylindre. Voilà. Normalement, vous devriez bien voir la différence. Donc maintenant que c'est surlevé, en fait, ça lève un peu le ressort.
Et ça permet de gagner un peu de jeu entre le ressort et la plaque. Maintenant, ça vient pas tout seul non plus. Donc je vais délicatement, en essayant de parer ou d'abîmer, de faire levier pour la faire venir. Et vous voyez, ça vient plus ou moins facilement. Bon, j'essaie de la dégager hors cam et puis on se retrouve après. Bon, voilà, la première est enlevée. Donc en fait, là où la différence est la plus notable, alors je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc en fait, sur les cales d'origine, c'est vachement creusé au niveau du support du ressort ici, alors que ça allait beaucoup moins sur les autres. Et sinon, par rapport aux autres côtes, j'observe un peu plus et je vous dis. Qui est sur la droite est plus épaisse, comme vous pouvez le voir également. La plus grosse différence, c'est sur le support du ressort, comme je vous le disais. Donc, c'est pas forcément hyper visible à la cam, mais voilà. C'est vachement creusé pour épouser la forme du ressort d'origine, alors que ça l'est beaucoup moins sur les nouvelles. Bon, ça y est, j'en ai fait un, c'est vraiment pas évident. J'ai pas pu trop vous montrer parce que c'est franchement pas simple à faire avec cette méthode-là. Simple sur le papier, dans la réalité, c'est autre chose. Il a fallu que je bouge les poussoirs à la main. Donc en fait, à la main, en forçant bien, et on peut les bouger. Parce que les ressorts sont pas... Enfin, ils sont durs, hein, mais avec un levier, en fait, ils peuvent bouger. Et on arrive à descendre les poussoirs pour pouvoir avoir la marge suffisante pour glisser les nouveaux. Mais franchement, c'est chaud. Ça avance doucement, le deuxième est en place. Donc la technique, maintenant que j'ai pris un peu plus mes aises, vous laissez serrer ceux du bas, d'accord? Vous allez desserrer doucement, franchement doucement, celle-ci, pour y glisser donc les rondelles, les cales que j'ai mises. Faut vraiment y aller mollo parce que, comment dire, cette vis-là maintient le ressort. Si vous la dévissez trop, tout va sauter, le ressort va venir avec. Enfin, là, vous êtes bon pour acheter l'outil pour remettre le ressort en place. Et en fait, quand on est... Donc j'ai deux rondelles, quand on glisse les deux, franchement, on a vraiment un bout de filet de la vis, donc il faut faire super gaffe. Bon, enfin voilà, ceux qui se sentent pas pour faire ça, enfin laissez tomber, prenez l'outil, ou alors essayez avec l'autre méthode. Moi en tout cas, j'y arrive, c'est pas évident, faut prendre son temps. Autre chose, mettez des chiffons, évitez de faire tomber les rondelles dans le bloc, chose que j'ai failli faire. Mais enfin voilà, c'est, ça se fait, mais faut faire vraiment très attention. Bon, bah voilà, j'ai bien avancé, là je suis rendu donc sur l'avant-dernier cylindre. Donc, toujours même technique, hein. Ça le fait, il faut être prudent. Bon, surtout ne pas trop dévisser la vis, en fait, c'est ça le truc. Trouver le juste milieu pour pouvoir glisser les deux rondelles en force. Parce que j'y vais quand même avec un petit tournevis et mon maillet pour enfoncer les rondelles jusqu'au bout. Donc, vraiment, il y a très peu de marge pour pas sortir la vis complètement et puis réussir à glisser les rondelles pour pouvoir sortir les cales sans trop de difficultés. Hormis ça, franchement, ça va. Bon, je tiens à tenter de vous montrer comment je fais pour l'extraction et comment ça vient. On est sur l'avant-dernière, comme je vous disais. J'essaie de monter sur le moteur sans faire de dégâts. Donc en fait, quand elles sont suffisamment dégagées, à la cale, elle peut bouger à la main. Elle peut bouger, mais par contre, bah, vous la sortirez pas. Enfin, moi, je la sors pas comme ça. Donc en fait, je fais levier avec. Hop. C'est sorti. Franchement, ça vient pas tout seul. Faut quand même. Moi, je fais levier avec ça, en faisant gaffe, mais. On y arrive doucement. Et quand on se débrouille bien, et bah franchement, ça passe en lieu et place. J'arrive même à la bouger et à la glisser, franchement, telle quelle. Bon, j'essaie de vous caler à un endroit et de vous filmer entièrement le dernier. On y arrive, on arrive au bout là. Je les ai tous faits, il me reste plus que le dernier.
Et puis bah, j'essaie de vous montrer ça, j'aimerais bien que vous voyez, mais c'est extrêmement compliqué de filmer et de faire ça en même temps. Bon là vous êtes pas trop mal, mais j'espère que vous n'allez pas bouger. Et puis s'il faut, bah, j'accélérerai tout au montage. Donc je décolle juste, je commence par décoller cela, simplement les décoller sans les desserrer. Elles sont décollées, celle du fond qui est assez importante dans le phénomène, une fois qu'elles sont décollées je les resserre juste et maintenant on desserre celle-ci. Donc je fais à peu près 5 tours. Je vais m'arrêter là pour le moment et je vais essayer de glisser la première rondelle. Bon, la première est mise, je vais tenter de mettre la deuxième maintenant. Bon, visiblement, il faut que je desserre encore un petit peu. Un tout petit chouïa. Pour ça je vous dis il faut vraiment y aller, pas essayer de desserrer trop d'un coup, parce que si vous faites sauter le ressort à la vis vous avez tout gagné. Si ça ne fait vraiment pas, bah desserrez un peu, etc. Et puis vous voyez, on y arrive doucement et voilà, elle est complètement en place. Du coup maintenant que c'est fait, je resserre un tout petit peu ici, mais vraiment très léger, et puis on va pouvoir défaire les autres maintenant. C'est fait, je redesserre, mais vraiment juste pour défaire la contrainte de celle-ci. Bon, du coup j'ai viré donc les rondelles, je les ai chassées, donc maintenant je vais resserrer la partie supérieure. Voilà, petit souci de place sur le téléphone pour filmer et de batterie. Je vous reprends, j'ai rien fait de plus, rien fait de moins, à part chercher les couples de serrage. Donc j'ai tout et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Le couple de serrage à respecter pour les vis supérieures, donc celles qui maintiennent le ressort, c'est 95 LB, ce qui correspond à 10,73 Nm. Donc on se munit évidemment d'une clé dynamométrique et je vais régler ça pour faire les premiers serrages. Donc je vais déjà rapprocher les vis à 9 Nm pour commencer. Bon, je me suis mis à 10,8. Et maintenant, deuxième passe. Pour le reste des vis, donc celle des cales, on est à 120 LB, soit à 13,4 Nm, qu'on va arrondir à 13,5. Et une exception, donc pour cette vis-là, donc qui est plus longue et sur laquelle il y a le graisseur, il faut faire un serrage à 105, soit 12 Nm. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas ça facile de vous filmer et de faire ça en même temps. Donc l'autre, la supérieure, je la fais pas parce qu'il faudra que je règle
ma clé dynamo un peu moins fort pour celle-ci. Je continue le reste. Bon, voilà, tout est serré et je fais donc la dernière à 12 Nm, donc celle qui vient avec le graisseur. Impeccable. Bon, moi je finis là pour ce soir. J'ai tout monté, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de soucis. C'est long, c'est fastidieux. Franchement, si vous êtes pas sûr de vous lancer pas là-dedans, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Un conseil, si vous voulez le faire absolument, que ça vous tente, mais que vous avez trop peur par rapport aux techniques des ressorts et tout, prenez l'outil. Bon, certes, c'est pas donné, je crois que c'est 150 €. Ça fait chier et cher pour une seule opération, mais bon. Si vous avez peur, c'est la solution la plus safe et qui sera la plus facile pour mettre en place les câbles. Tout est remonté, tout ce qui est faisceau, tout ce qui est auxiliaire au cache culbuteur, donc les bobines, les capteurs. Moi, je débranchais tout ce qui était solénoïde de Vanos, les capteurs de pression et de température, le Valtronic évidemment. Tout a été remonté, j'ai bien checké tout. Donc, on va pouvoir passer au premier démarrage. Typiquement, j'ai tout rechecké. Pourtant, je vous l'assure, mais j'ai oublié de recliquer la rampe d'injection, donc ça risquait pas de démarrer. Je remets ça, je refais encore un dernier tour histoire d'être certain que j'ai rien oublié et puis on passe au premier démarrage. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, et ben, moment véridique, moment de vérité. C'est stressant, je vous le cache pas, après une si grosse opération, surtout que moi j'ai fait plusieurs opérations sur le bloc. Je vous rappelle que j'ai monté un radiateur, j'ai changé donc une pièce du système de refroidissement qui est à l'origine en plastique et qui devient cassant par quelque chose en aluminium. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites bricoles. J'ai déposé précédemment le collecteur d'admission. J'ai démarré depuis, donc ça devrait pas poser de problème. Mais bon voilà, ça fait beaucoup de choses. Plus une grosse opération comme celle-ci, bah, on n'est jamais complètement serein. Bon, le DS est en panne, n'en tenez pas compte, c'est normal. Les disques sont déposés, capteur ABS, tout ça. C'est normal que ça merdouille. Bon, bah écoutez. On est parti. Ouh, stressant, vraiment stressant. Aucun bruit méchant, on va tout de suite. Allez, j'ai fait ça. J'ai un temps sur le Valtronic, c'est super. Bon, elle tourne nickel. Franchement, c'est une réussite. C'est top. Je la sens. C'est peut-être juste une impression, mais je la trouve déjà plus réactive. Bon, affaire à suivre.